Nous allons les prendre par surprise. Faites ce qu'il convient de faire, Seigneur Vador. N'hésitez pas, soyez sans pitié. C'est à cette condition que le côté obscur vous donnera le pouvoir de sauver Padmé. La présentation du mock en images est maintenant terminée. Donc je vais faire rapidement le tour en vous présentant un peu les détails en parlant. Donc pour tous ceux qui connaissent Star Wars, vous avez bien sûr reconnu l'ordre 66 dans le temple Jedi. J'avais déjà fait un mock sur Instagram d'une scène de l'Ordre 66 dans le Temple Jedi. Je vous mets une photo à l'écran. Et j'ai voulu m'en inspirer pour refaire complètement une nouvelle scène, tout en gardant une piste d'atterrissage ici, avec un speeder, et deux étages. Donc en bas, on retrouve une belle scène d'action, avec ici Master Emrico, en train de transpercer un soldat clone. Donc on a trois Jedi contre quatre soldats clones de la 501e, dont un Jedi qui est en train de se faire tirer dessus et mourir. Voilà. Ici, on a un gros pilier, une grosse colonne qui vient soutenir la base. Et on a ce petit pilier qui vient également aider au maintien. Donc quand on remonte, on a une très belle scène d'action, voilà, avec des ouvertures comme si on était dans une pièce spéciale, avec ici une entrée qui donne sur la piste d'atterrissage. Donc on retrouve un maître Jedi rodien avec un double sabre en train de tuer un soldat de la 501e. Ici, on a un soldat clone mort. Un Jedi qui est en train de se faire tirer dessus. Donc, on peut voir du sang sur le sol. Voilà, par un sniper. Ici, on a un soldat lourd qui est en train de tirer sur un Jedi. Et ici, on a un soldat clone avec un bouclier qui est en train de prêter main forte à ses frères d'armes. Donc voilà, c'est un mock qui m'a vraiment fait plaisir à construire, avec pas mal de détails sympas. Et voilà, ça me permet de donner ma version de l'ordre 66 en mock. En tout cas, j'espère que cette création vous aura plu. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Emrico. Bye tout le monde.